Arrêté numéro 7954/PR/SGP, /2020, portant mise en place et composition d'une commission mixte de désarmement. Arrêté article 1, il est mis en place une commission mixte de désarmement composée des éléments de la gendarmerie nationale, de la garde nationale et nomade du Tchad GNNT et de l'armée nationale du Tchad. Article 2, la commission mixte est chargée de récupérer toutes les armes détenues illégalement, d'arrêter les détenteurs illégaux et de les mettre à la disposition de la justice. Article 3. La commission mixte est chargée de... Article 3. La commission mixte est dirigée par un officier général assisté d'un adjoint. Il s'agit de général de corps d'armée Taher Erda Tahiro, général de division Jonathan Hoinati Marcel. Article 4. La commission dispose d'un délai de 2 mois renouvelable éventuellement après évaluation du rapport d'étape dûment motivé et soumis au maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État. Article 5. La commission peut faire recours à toute personne civile ou militaire qui peut l'aider dans l'accomplissement de sa mission. Article 6. Le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, le ministre de l'Administration du territoire et des collectivités autonomes, le ministre délégué à la présidence de la République chargé des armées, des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'application du présent arrêté, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié partout où besoin sera. Ndjamena, le 24 décembre 2020, Kalzebe Payimi, début. Nous poursuivons toujours avec un arrêté. Arrêté numéro 7955/PR/SGP/2020, portant rectificatif de l'arrêté numéro 7954/PR/SGP/2020, portant mise en place et composition d'une commission mixte de désarmement. Arrêté article 1. Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté numéro 7954/PR/SGP/2020 du 20 décembre 2020 portant mise en place et composition d'une commission mixte de désarmement sont rectifiés comme suit. Au lieu 2, article 3, ancien. La commission mixte est dirigée par un officier général assisté d'un adjoint. Il s'agit de général de corps d'armée Taher Erda Tahiro, général de division Jonathan Hoynat Marcel. Lire plutôt article 3. La commission mixte est dirigée par un officier général assisté de 2 adjoints. Il s'agit de général du corps d'armée Taher Erda Tahiro, directeur général des renseignements militaires, général de division Jonathan Hoynat Marcel, directeur général de la gendarmerie nationale, général de la brigade Amat Goukouni, commandant de la GNTT, premier adjoint. Le reste sans changement. Article 2. Le présent arrêté prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié partout où besoin sera. Ndjamena, le 26 décembre 2020, Kalzebe Payimi, de vœux.